un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à Noyalo. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour, hein, on prépare ça depuis le mois de janvier, donc le rallye découverte de Noyalo, comme ça, pour découvrir un petit peu le village, donc des questions, des jeux, des réponses, enfin bon voilà, un petit parcours sympathique, voilà, en famille, qu'on peut faire en famille ou seul. Ouais, mais je crois qu'avec le temps, ça va être super sympathique soleil, et qu'on va passer soleil, une bonne journée. Ça va être réussi, je pense, hein, voilà. Alors on y va. On y va. On donne le départ. C'est parti. Merci. Des indices qui sont à découvrir dans le périmètre de la zone du parcours. Donc là où vous serez, il y aura, c'est à retrouver. Alors, à la fin de chaque étape, une aide vous permettra de continuer votre chemin. C'est-à-dire que quand vous finirez la première fiche, vous la donnerez à la personne qui se trouvera à l'étape suivante. Eh bien, on va passer une bonne journée. Oh bah oui. C'est parti alors. Oh bah ça dépend. Oui, c'est parti. Les questions sont dures hein, quand même. Assez hard. Moi, j'ai regardé, j'ai pas les réponses. Hein. Mais j'ai regardé, c'est pas facile. Et c'est bien, c'est le jeu. Alors, vous cherchez quoi, là? Mais ça, en fait, je pense que c'est celui qui est au tableau. Il me semble que c'est là. C'est le plus beau tableau que... Oui, c'est de celui-là. Mon premier est la 9e lettre de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et l'église Sainte-Anne. L'église Sainte-Anne. Oui, mais par contre, les là. Et les deux stèles. Alors, c'est une belle découverte de Noyalo. Donc, on a déjà fait un rallye. Ah oui. C'est 8 ans. Vous voulez savoir c'est quoi là? Une dame qui fait partie qui aujourd'hui est comment fait guide. Bon, je vois qu'il y en a qui se renseignent auprès des habitants. Bonjour Christian, tu vas bien? Oui. Et tu donnes plein de renseignements aux habitants. Bon. Absolument, absolument. À bientôt. Salut Christian. Nom de l'or blanc. De l'or blanc. Bah alors tu m'expliques un peu ton costume, qui est très joli d'ailleurs. Il y a le tablier, oui. Les manchettes, oui. Les gants, il y a la robe dessous, il y a aussi le petit collier. La croix, ouais. Il y a la coiffe, dessous la coiffe il y a un bonnet. Et alors c'est le costume traditionnel d'où exactement? De Noyalo. De Noyalo? C'est le costume de Noyalo. Oui. Ah, sublime. Merci beaucoup. Bon alors, vous trouvez ça comment? Bien. Un peu compliqué, hein? Dur. Voilà. Oh non, c'est facile. Que veulent dire? Là, c'est maison. Oui. Ma animation, bah si, il y a deux. Ah oui. Vous n'avez rien sur le clocher de Noyalo? Non.
Alors le cinquième. Oh, c'est sympa. Cinquième. Chut, alors le Maguère, le groupe Le Maguère. Oh, bah, la Magnita. Et donc ça se trouvait sur la porte. Sur l'affiche. Sur l'affiche. Il y avait le renseignement. Donc la maison là, qui servait la coupe de la mer, c'était la maison qui se trouvait là et qui était peinte en bleu. Qui aurait dû rester en bleu d'ailleurs. Et ensuite, la maison qui est beaucoup plus loin là-bas, sur votre droite, donc c'est la maison des douaniers. Donc il y avait des douaniers qui étaient chargés de récupérer l'argent pour le sel qui venait en direction de la Pochine de Ruiz. Donc, c'était des douaniers qui percevaient donc l'attaque sur le sel. Alors eux, où se trouvait la kermesse de Marcel Leclerc? Et en fait, elle se trouve en face des climatiques qui ont remplacé les mers. La maison maintenant s'appelle les climatiques et autrefois elle s'appelait les mers.